Bonjour à tous. Oh, plutôt bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les petits loups. Aujourd'hui, Pépère va décider de ce que je mange toute la journée. Du coup, bon là il dort encore. En parallèle sur Instagram, je vous ai demandé de poser des questions à Pépère. Je l'entends, il va descendre. Pépère. T'es filmé. Pourquoi t'es content comme ça? Je décide aujourd'hui, Peps. Du coup, j'attends depuis tout à l'heure. Je décide ce que je veux, mais genre, je peux faire des crasses et tout. Tu t'es libre. Oh, non, tu m'embêtes. Tu manges des concombres. Starful, hein. Tu vas voir, c'est bon pour la santé. Quand tu as envie de manger des concombres, vraiment, genre. Oui, moi j'ai envie d'un petit déj normal. Bah, vas-y. Et en plus, il me prépare un petit déjeuner. Non, je vais le faire. Tartine de beurre. Tartine de beurre. Eh, par contre, j'y ai vraiment cru au concombre. Toi, tu peux manger des tartines. Moi, je peux manger un concombre. Hein. C'est toi qui décides de ce que je mange. Il est gentil, mais bien. Je commence doucement. Je parle doucement, mais regardez nos tasses. Toi et moi, on fait une belle équipe. En plus, c'est un cookie. Ça, moi, j'ai le cookie. Et Pépère, il a le lait. Par contre, dans une heure, j'ai la dalle. Pain beurre, un incontournable. Bon, les gars, transition dans ma vie en ce moment. Je travaillais pour la France, mais du coup, je travaille plus maintenant pour la France. Genre, j'ai plus de travail. Enfin bref, faut que je trouve un nouveau travail et tout. S'il y a des gens qui habitent au Canada sur Montréal et qui tiennent des cafés, des bars, n'hésitez pas. Je vais postuler chez vous. Mais en attendant, je vais essayer de me consacrer à YouTube. Émotionnellement, c'est compliqué. Ceux qui sont émotionnels, vous comprenez ce que je ressens. C'est pour ça que je suis fatiguée en fait, je me réveille, je suis KO. Bref. Lulu, je t'emprunte ton Steampod. Non, pas Steampod, GHD. J'ai envie de le tester. Je me prépare un petit peu, je vais me faire belle. J'aime bien me faire belle parce que je me dis, mais bah oh, il va me voir dans des états. Et c'est cool quand tu reçois des petits compliments en mode, t'es belle ma chérie. Je sais. Je crois que bébé, il a pas compris le concept. Il a pas compris le concept de la vidéo, je crois. Parce qu'en fait, il va me faire à manger toute la journée. Il est en train de me cuisiner là, je sais pas ce qu'il cuisine, je vais aller le voir juste après. Il me cuisine un truc, c'est un cuistot en dehors. Attention, il aime ça, il aime cuisiner, il aime faire plaisir. Et franchement c'est trop cool parce que je déteste cuisiner, vous le savez très bien. Cette frange, je peux plus me l'avoir, je vous jure je peux plus me l'avoir. Ah mais j'ai cru que tu faisais de la purée. Waouh, tu fais quoi? Non mais... Tu fais des lasagnes? Lasagne, courgettes, poivrons, chèvre. Mais oh my god. Voilà. Mais tu t'es déter à faire des lasagnes. Ouais, je sais pas, je me suis dit vas-y, il faut que j'impressionne. Les lasagnes de Jules il y a deux jours m'ont donné envie et je me suis dit autant faire maintenant. Jules, personnage que vous verrez bientôt d'ailleurs, parce qu'on va faire un petit concept que tout le monde connaît, avec du piquant si vous voyez ce que je veux dire. Eh mais ça a l'air incroyable par contre. Ta béchamel elle a l'air très bonne aussi. Ouais je sais, ouais ouais. Ça j'ai dit. Ça t'a dit. Ils vont... Fais pas la surprise, à croire genre je cuisine jamais. Non, tu cuisines tous les jours. Voilà, voilà. S'il te plaît. C'est vrai. Dis-leur la vérité. Mais oui, c'est... mais je leur ai dit, j'étais dans la salle de bain, je me suis préparée, j'ai dit en vrai c'est un cuistot et tout. Je te jure, tu verras. Vas-y, vas-y. Tu verras. Right. De quoi les trucs dire, ouais. Mm. Est-ce que tu faisais ça aussi? Ouais. Je suis avec un cuistot en fait. Au menu, est-ce que le chef veut nous expliquer? Lasagne, courgettes, poivrons, chèvre, avec un peu de salade. Du chef Bébert. Franchement, c'est pas beau. Avec sa petite salade et la petite sauce du chef. Est-ce que tu veux divulguer ta recette de ta sauce salade? Non. Voilà. Il a dit non. Que tu vas donner la recette spéciale quand j'aurai 50K. Non, mais toujours plus. Non, mais... Abonnez-vous. Vas-y. C'est super bon même. Est-ce que tu veux la première question? Est-ce que Myriam est pareille en vidéo qu'en vrai? Totalement. C'est exactement la même personne. Mais au quotidien, dans le lit le soir, le matin. Elle est même mieux en vrai qu'en vidéo, je dirais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? T'as des obligations en vidéo, alors que dans la vie perso t'en as pas. Ouais, parce que bah forcément il y a moins de spontanéité en vidéo. Ouais. Donc, faudrait que je me filme genre H24. Il manque un truc dans ces lasagnes là. Moi je suis pas d'accord, je les trouve super bonnes. T'es trop exigeant avec toi-même. Moi,
Fais lasagne, 10 sur 10. 6. 6 ouais. N'importe quoi, ça va pas ou quoi? Mais pourquoi? Je comprends pas, ils sont super bons. Parce que, regarde, le dessus, c'est pas gratiné. Après, le four, il est bizarre. Un dessert. On n'a pas trop le choix. D'ailleurs, t'aurais dû me prendre un dessert, même. Tu sais, les gâteaux, là, à l'américaine, là. Ouais, vous savez, les gros gâteaux, là. Un jour, mon rêve de juste prendre un gâteau et faire... dedans, comme ça. C'est quoi? Vas-y, c'est acté. D'ici un mois, je le fais. En attendant de réaliser ce rêve, petit rêve. Mais rêve quand même. J'avais acheté des yaourts comme ça. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Les Yoplait, c'était incroyable. Genre, incroyable. J'ai acheté ceux-là, les gars. Ils sont immondes. Mais immondes. Fraises et crème. Bon, du coup, fraises, crème, qu'est-ce que ça donne? Le goût de la crème, il n'y a rien. Pas du tout. En plus, ils sont chers, ces yaourts. Ils sont pas bons. Pépéao, il a pas prévu de goûter. À quelle heure? Je vais prendre du chocolat noir. Qui est team chocolat noir? Qui? Levez la main en commentaire. Abonne-toi parce que j'ai besoin de force. Bah, vive chocolat noir. Mais bah, tu veux du chocolat noir? Bah, est-ce que c'est une goûter? Bon, les gars, nous sommes le soir. Bah, on va voir ce que Bébé va faire manger. Bah, il m'a gâté aujourd'hui, je vous jure. Je suis une princesse. C'est vraiment trop bien. J'arrive! Repas du soir. Bébé. Ouais. J'avoue. C'est pour ça que tu m'as jamais appelé Bébé. Disons la vérité. C'est vrai. En fait, son nom, c'est pas Bébé. Mon nom, c'est Bébé. Il a dit. Mon nom c'est Berbs. J'ai de la chance de t'avoir, Bebs. En fait, t'aurais pu travailler en restauration, toi. Bah vas-y, on change de place. C'est comme ça qu'on casse la routine, hein. On est sur de la salade. Salade, donc tomate, feta, concombre avec de l'échalote. Et gnocchi champignon crème. Ah, ça c'est trop bien comme question. Tu as ressenti quoi la première fois que tu as vu Myriam? Bah je pense ta première impression peut-être. Donc la première fois c'était dans cette maison. Déjà. À te découvrir plus à te connaître. Je crois. Moi j'étais en mode. Bah quoi, c'est vrai? Genre j'étais en mode. J'aime bien. Bah en fait, c'est ça, si t'as le feeling ou pas, je pense direct c'était quoi. C'était ça, c'était. Mais juste le ressenti de. Ok, j'ai envie de creuser quoi. Mais j'ai envie de voir qui est cette personne. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Non mais horrible. J'ai une dernière question, elle est drôle. Ouais, elle est drôle. Elle est drôle de quoi? Attends. Est-ce que tu es plutôt salé ou sucré? Il a intérêt d'aimer le sucre avec toi. Je suis il pas est du tout sucré. Genre vraiment, il n'y a aucun dessert, il n'y a rien. Et du coup, moi, ça m'évite de grignoter parce que je suis quelqu'un qui grignote beaucoup. Et il n'y a rien dans les placards, quoi. C'est genre, c'est que des pâtes, des trucs, enfin, que du salé. Mais ça m'a canalisé sur le sucre, pour le coup, j'avoue, ça c'est cool. Bah forcément, du coup, vu que je suis allergique aux œufs. Ah bah oui, allergique aux œufs. Ça me coupe de tout dessert. Bah oui, bah c'est ça en fait. Tu loupes des choses, hein. Bah en vrai, pour moi, j'ai pas l'impression de louper quelque chose. Le salé c'est 1000 fois mieux que le sucré. Ah je suis pas d'accord. Tu vas passer team sucré d'ici quelques mois. Team salé. En commentaire, team sucré ou team salé? Moi je garde ma team sucré. Team salé en commentaire. On va regarder LOL qui ressort. Action. Les amis, c'est la fin de cette vidéo et je clôture la vidéo le matin. Quoi? Parce que j'ai oublié de le faire hier soir. Ce matin, regardez ce que je mange. Je suis trop contente. Un bowl cake, enfin bon c'est plus une crêpe, avec du peanut butter et des bananes. Et... Attends, je peux te poser une dernière question? Martine a posé la question. Martine, c'est une abonnée depuis le début, donc t'es obligée de répondre à Martine. Elle demande, Martine, pourquoi Myriam et pas une autre? C'est cru que t'es un entrepreneur en fait. En fait, ils veulent te valider mes followers. Mais laisse tomber, t'as pas compris, genre. C'est quoi, je dois signer un contrat, en fait, après. Pourquoi Myriam et pas une autre? Parce que je suis exceptionnelle, c'est tout. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Mais voilà, je suis l'étoile de sa vie, le soleil de sa vie, la lumière de sa vie. Mais parce que c'est toi, je vois pas pourquoi j'irais voir une autre. C'est tout, c'est tombé avec toi. Ce sera toi. T'as aimé cette vidéo? Non, mais t'as aimé d'être cuistot? Parce qu'en fait, au final, t'as été un petit cuistot pour moi. Moi, en fait, j'ai juste été cuistot. Hein. Mais moi, c'est pas ce que je veux dire. C'était un interrogatoire pendant tout le monde. Moi, j'ai kiffé, merci. Merci pour cette participation. Comme d'hab. Franchement, ouais. Il me fait à manger tous les jours, c'est exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On s'abonne, n'oubliez pas, 100k, monte sa tête. Eh, tu le fais vraiment si j'ai 100k? Ouais, pour de vrai. Oh là là, j'ai trop hâte. Je fais de très gros bisous. Love you. Bisous Martine.